bah super, merci Guilhem. On va regarder ça. Ok, bon, alors. Vous voulez un café? Non, merci, je. Je préfère le jus d'orange. Ah, le jus d'orange. Ok, alors. Mes potes, les gangsters, scénario version 24. Scène 1, intérieur, chambre, jour. Malo, un grand jeune homme blond, est torse nu dans sa chambre. Il passe un coup de fil avec son portable. Malo, allô les filles. Ça vous dit on va au drive-in ce soir? Super, on se retrouve là-bas. Bah, je sais pas, au lycée je me suis fait péter. Ok, bah ça m'arrive grave tout le temps ce genre de truc. Bah, c'est chiant quoi, enfin bon. Moi je m'en fous. Non, je fume pas justement, c'est pas grave. Il me servait à autre chose. T'es le genre de personne cool qui a un briquet quand les autres sont en tête. C'est ça. Ouais, ça c'est bien. Le sauveur. Bravo, bravo. Putain, il est bien ce film. Hein. Mais Ah mais putain, ça me fait penser, la dernière fois j'avais un paquet de clopes, tu vois, c'est rare que j'en achète en plus. Et je suis sortie de cours, je voulais me payer ma petite clope, tu vois, à 18h. Et c'est pas, j'ai plus mon paquet. Et après t'as un mec qui arrive 10 minutes plus tard qui me dit tiens ton paquet de clopes, tu vois. Et moi j'étais en mode what the fuck. Et bah il me l'a rendu comme ça. Genre, il t'avait chopé et il te le rend. Ouais, voilà. Putain, c'est un bâtard. Hein, je sais pas du tout quand d'ailleurs, parce que bon, il était dans ma poche quoi. Mais le fils de pute. Hein. Bah ça va. Je sais pas, en fait moi le fait de le rendre. Je trouvais ça. Mais en plus, c'est qu'il m'a même pas pris de clope. Genre, il m'en a rajouté. Bah voilà, c'est pas un voleur. C'est un bâtard, de base, il te vole tes clopes et tout. T'as pas tes clopes à la récré. Tu fais comment? Je sais pas, j'avoue que c'est un peu un truc de merde de prendre les. Genre, ça veut dire qu'il a fouillé dans ton sac en plus, hein. Franchement, ça prend. Ouais, mais c'est pas grave. Il t'a volé tes tampons, hein, je sais pas. Hein. Franchement, il se les fout dans le nez au moment même où on parle. Tu vas pas comprendre. Je sais pas. Bah, du coup, j'ai eu plus de clopes, mais j'étais un peu content, tu vois. Ah oui. Ah. C'est plus logique d'être content. Ouais, mais de base il était méchant, genre de base il voulait te les voler, ça veut dire qu'il se trouve il a pris bonne conscience. Je sais pas, moi je. Ouais. Il a été repris par le karma, par la morale, tu vois. Ouais, mais de base il avait une mauvaise morale, hein, ça craint. Ouais, mais c'est pas grave, c'est un peu ça. Putain, elle est stylée ta voiture, Malou. Ouais, elle est pas mal, mais bon, c'est un peu de la merde, j'ai du mal à démarrer. Oui, je vois ça. Faut donner au moins 2 tours de clé, et encore, 2 tours, on a de la chance. Enfin bref. Et oui, du coup, ton histoire de clope, là, concrètement. Concrètement, c'était une merde. Ouais, là, je fais des dessins avec la buée, c'est marrant. Moi, je trouve ça limite cool, hein. Enfin, le mec, tu vois, c'est limite. Tu lui files ton paquet de clopes, genre tu le mets bien en évidence comme ça, tu peux te choper, et après il te le rend pas. Ou ça se trouve il te le rend pas, hein, ça se trouve tu sais pas. Hein. Ouais, c'était mais qu'une fois, hein, la bonne conscience. Tu vois, quitte à sacrifier. Enfin, tu en vrai, peut-être, ouais, en vrai, tu vois, tu fais voler tes clopes, après tu chopes. Soit tu te fais péter à moitié de paquet de clopes. Tu prends tes clopes et son portefeuille. Pourquoi il y a des flingues dans ta boîte à gants? C'est rien, c'est juste ma petite sœur. T'es sûr? Ouais. La petite sœur, j'ai pas l'impression. Mais si, essaye de tirer au pire. The way you look should be a sin, you my sensation. I know I'm preaching to the congregation. We love Jesus, but you done learned a lot from Satan.
I mean, a nigga did a lot of waiting. We ain't married, but tonight I need some consummation. May the Lord forgive us, may the gods be with us. In that magic hour, I seen good Christians make rash decisions. Oh, she do it, what happened to religion? Oh, she lose it, she putting on her makeup. She casually a lord, text message breakups, the casualty of tours. How she gon' wake up and not love me no more? I thought I was the asshole, I guess it's rubbing off. Hood phenomenon, the LeBron rhyme. Hard to be humble when you stunting on a jumbotron. I'm looking at her like, this what you really wanted, huh? Why we arguing anyway? Oh, I forgot it's summertime. Put your hands to the constellations. The way you look should be a sin, you my sensation. Incroyable, magnifique. Vous en êtes trop bien sorti. 1 million dans les mains. Un plan qui se déroule sans accroc finalement. Moi je suis d'accord, c'était nickel. Mais ouais, là franchement, là, on est bien, là c'est impeccable, nickel. C'est ouais. Demain matin, on est parti 6h en avion vers les Dolomites. Incroyable. Non, c'est pas assez. Mais si, c'est pas mal, ça suffit. Bah après, le plan c'était quand même de partir. Là on a qu'un an et demi, c'était parce qu'on s'était dit. Ouais, on devait partir 4 ans, on va partir un an, c'est nul à chier. Mais non, c'est pas mal, c'est correct. Oh, et puis, après un an, bon, ça va quand même. On a assez pour des vacances, pour partir travailler un peu, voilà. Non, on change de plan. Mais c'est quoi le plan du coup maintenant? Ouais, parce que tu nous dis on change de plan, mais concrètement, du coup, c'est quoi le nouveau? On va rester ici et on va compter l'argent. Ok, d'accord. Ouais, je suis assez d'accord avec cette idée, moi. On en fait quoi de la thune? On va la cacher. La cacher où? Varun. Ouais. Viens, on va récupérer nos pièces là-bas. Ah oui, d'ailleurs, on les a mis ici. Oh! Foutez quoi? On reprend nos pièces. On ramasse nos pièces, le braquage, c'était un succès quand même. Quelle idée de l'avoir mis ici. Ah, toujours plus loin. 2 euros. Ça se refuse pas. Bon, t'es fier de nous quand même. Ouais, bien sûr, mais c'est pas assez. Là, il nous faut un deuxième million pour l'investissement. Tu penses vraiment? Ouais, je pense vraiment. C'est pas assez, là il nous faut un deuxième. Ouais, mais on a quand même bien réussi le braquage, faut fêter ça. Mais oui, je vous paye le petit-déj. Super. Bon les gars, revenez, il y a Donio qui nous paye le petit-déj. Les mecs, vous êtes chaud en prenant une nougapogne? Ouais, ça peut être pas mal là. C'est bon les nougapognes, moi j'aime bien les nougapognes. Bon, les mecs, il n'y avait pas de nougapogne, du coup j'ai pris ce qu'il y avait. Donc, ça devrait le faire. Ça va le faire. Bon, les mecs, du coup, on a combien là? Ben, j'ai recompté, on a environ 1,2 million. À peu près. Bon, c'est pas mal, ça suffit, on a pas mal d'enveloppes. Ouais, mais est-ce que ça va durer dans le temps? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas trop. C'est marrant, je pensais pas qu'ils stockaient l'argent comme ça dans les enveloppes. Ouais. Pour moi, il y avait genre 1000 billets entassés sur des étagères. Et non, mais là, on est dans la réalité, mon petit gars, on est pas dans les films. Hein. Bon, allez, on se l'ouvre là, ce petit paquet. Sympa. Ouais, vas-y, attends, allez. Passe-moi ça, comme ça, je vais servir à tout le monde. Allez, hop. Bon, moi, je te chope un petit croissant, là. Allez, tiens, bon, chasse doigt. Hop là. Bon, du coup, on cache où l'argent? Je sais pas, le peintre nous a dit de faire confiance à personne. Moi je sais, sous quel œil attentif on pourrait le cacher. L'œil de qui? Bah les mecs. L'œil de Dieu. Domine Patriae Filii. Bienvenue dans mon église.
Oui, allô? Monsieur Michel? Oui, bonjour. C'est par rapport à la commande de vin de messe? Oui. Oui. Ah, il n'y aura plus de vin de messe? Plus? Bon, vous savez, mettez-nous de la Cronenbourg, hein, on se débrouillera avec. Hein, on dira rien. Merci, au revoir. Transcendé par cette musique quand l'Esprit Saint vient en moi. Mais les mecs, quand je disais sous l'œil de Dieu, je pensais pas forcément à ça. Mais depuis quand t'es croyant, Malo? Je suis pas croyant, mais c'est pour la forme. Ok, mais on le cache où d'ailleurs? Bah, dans le confessionnal, non? Ouais, dans le confessionnal. Ouais, vas-y. Bon, allez les mecs, allez, faut y aller. Je pense que c'est pas mal pour planquer. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh merde, le prêtre! Bon ok, nous on fait diversion avec Vas-y. Le prêtre. Allez, ça marche. Le sac. Que se passe-t-il, mes enfants? On aimerait bien se confesser, monsieur. Putain, on est serré là. Ouais, gros, tu peux te décaler un peu, j'ai une fesse dans le vide, là. Vas-y. Ok, vas-y. Donio et moi, commençons à partir. À la direction d'une nouvelle planque pour cacher l'argent. Nous cherchions, et puis je commença à trouver un petit coin qui me sembla adéquat pour cacher ce petit trésor, finalement. Nous avons vu une planque, je lui ai montré. Nous commencions, voilà, à arriver. Et puis, nous cachons cet argent, du coup, sous les yeux du Christ. Et déposions le sac juste en dessous d'une fleur. Une fois la mission terminée, nous attendions nos amis pour qu'ils nous rejoignent et que nous puissions partir. Bonjour mes fils. Quelle est la raison de votre venue dans la maison de Dieu? Nous sommes venus pour une raison plutôt grave. Et particulière, on en a gros sur la patate. D'une certaine manière. Je vous arrête tout de suite. Est-ce que c'est plus intéressant qu'une prostituée qui est venue me confesser qu'elle a trompé ses deux maris tout à l'heure? Oui, je dirais que oui. Oui, nous pensons que oui, en effet. Je sens que je vais bien m'amuser. Allez-y. Qu'est-ce que ça peut être? Il s'avère donc qu'il y a quelques jours, un homme prénommé le peintre nous a contactés avec un plan de braquage, à savoir où trouver des armes et tout ce qu'il fallait savoir pour faire un braquage. Pour un attentat? Non, un braquage. Pour un braquage. Et tout cela sans aucune contrepartie, ce qui nous a paru assez suspect au moment des faits. Oui, en effet, c'est assez bizarre dans le monde du crime de ne rien demander derrière. L'appât du gain étant plus fort que l'appât de la conscience, nous avons décidé de mener à bien ce projet. Je fais un peu de lecture. Je vous en prie. Cependant, nous cherchions de l'argent. Alors l'offre nous a paru tout de suite très alléchante. Ah oui, c'était pile ce qui nous convenait finalement. Donc nous avons foncé tête baissée dans ce qu'il nous a dit d'exécuter. Voilà. Nous sommes descendus dans une des banques du centre-ville pour s'occuper de son contenu. Je vais laisser mon ami vous raconter ce qui s'est passé à l'intérieur parce que j'étais dehors pour faire le guet. Oui, le guet, la surveillance. La surveillance. Ouais. Oui, alors donc nous étions trois à pénétrer dans la banque. Nous descendons directement à la salle des coffres, car, comme était indiqué sur le plan du peintre. Donc nous sommes remontés de la salle des coffres et repartis le plus vite possible. Il n'y a pas eu de blessés et de morts, mais juste le fait de braquer et de voler l'argent nous reste un peu sur la conscience. Je vois quel est votre problème. La manière de procéder était quelque peu brusque. Mais lors de notre fuite, nous avons pu laisser tomber des billets derrière nous et peut-être laisser des empreintes. Car la technique et la préparation, tout ça, c'était un peu brouillon au final. Non, vous inquiétez pas, c'est rien. C'est... Les voix du Seigneur sont parfois difficiles à avaler. Hein. Attends, c'est fort. Oui. Le Seigneur est toujours ouvert à...
à toute forme de politique, que ce soit... Enfin, on peut tous faire des erreurs, on peut tous être tentés par le bien, par le mal. Mais franchement, c'est nul à chier, les gars. Un braquage, je suis désolé, on vient pas se confesser pour avoir braqué un truc en ayant insulté des clients. Quand même, mon père. Seigneur nous pardonne-t-il, mon père? Mais bien évidemment, enfin, tu verras ça avec lui, mais... Excusez-moi, hein, j'en ai un peu la sucre sur la patate aussi, moi, maintenant. Hein. Parce que me taper des confessions à 6h du mat tous les samedis matins, c'est bien sympa, mais bon, quand t'as trois connards qui viennent t'annoncer qu'ils ont fait un braquage, et qu'ils ont même pas... Ils ont les clampins, ils ont laissé tomber des billets, et qu'ils savent juste... on a insulté les passants. Vous êtes des braqueurs, vous êtes des enfants qui ont insulté leurs parents, sérieusement. Bref, vous arrangerez que vous allez à la quête, là, vous filez 50 balles, et puis le Seigneur vous pardonnera. D'accord, vous. Vous savez comment ça marche. En CM2, j'aurais peut-être pas dû voler sans goûter au petit Emilio, mais et j'avais grand faim, Seigneur. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai péché. J'ai mangé toutes les hosties au catéchisme et j'ai bu le vin de messe. Puis après, j'ai fait pipi. Partout. Excusez-moi, mon père, pour ce braquage, pour ce vol occasionné. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait là exactement? Parce que on s'est pas vraiment prié. C'est toi qui as proposé l'idée de le cacher là. C'est Notre-Dame de Lourdes. Tous vos péchés sont pardonnés. Samir, la pute. En vrai, les mecs, j'aurais quand même préféré la petite nougat pogne. Ouais, j'avoue, ça aurait été pas mal. Le petit sucre, à la pelle, ça. Le petit nougat dans la pogne, là, ça la sublime, le ça. Le nougat à la pogne. C'est vrai que là, les petits sympa. Morceaux d'amande bien craquants, là. La pogne, c'est quand même bien bon, quoi. Je veux dire, déjà, juste la pogne tout seul, c'est bon. C'est vrai. C'est avec du nougat en plus. Par contre, et du sucre glacé. Les mecs qui mettent du Nutella dessus, alors là. Là, moi, ça m'agace. En même temps, faut pas dénaturer la pogne. On est né là, on en mange depuis qu'on est petit. Ouais, non, mais oui. La bonne confiture, ça suffit. C'est le patrimoine. Voilà, exactement. Et même tout seul, hein, ça marche. Il y a carrément de la pogne qui coule dans mes veines, les mecs. Les mecs, on gâche pas une pogne de chez Ronja, par exemple, tu vois. Voilà, tout à fait. Mais non, une pogne. Ronja, c'est le... l'institution. Ouais, voilà, c'est un peu le goat, quoi. Pascalis, pas mal, mais trop cher pour ce que c'est, honnêtement. Non, moi, je ils se sentent plus pissés, en fait, parce que c'est ça le problème. C'est que. Ils arrivent, ils vendent une pogne à 15 balles, alors que chez Ronja c'est 5 euros de moins, mais elle est meilleure, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Pascalis, c'est bien. Putain, on a bien fait de récupérer nos 2 euros là. Ouais, franchement, les 2 euros là, comme ça. Si jamais on passe devant une boulangerie qu'on a encore, bah nougat pogne, direct. Ouais, mais 2 euros, je sais pas si on aura grand chose. Hein. Bah, parce que c'est cher. On leur donne et on vole la pogne. Non, mais voilà, on la braque. Oui, c'est vrai que t'as des banques à braquer, les mecs. C'est vrai qu'on est des sacrés braqueurs quand même. On braque la caisse et les nougapognes. On braque tout. On a 1 million dans les mains. C'est vrai, en plus de ça, vous avez vu comment on est sapés. Moi je trouve que nos chemises elles sont magnifiques. Ça on le dit pas assez. C'est vrai qu'elles sont belles. Des chaussettes bien aussi, franchement. On est très beaux les mecs. C'est vrai. Magnifique. Fais gaffe, faut pas prendre le bambi là. Hop là, il est. Non mais les mecs, je suis un petit peu acrobate en fait moi. Et hop, petite balayette. Par contre, le sac est lourd, hein. Moi, je veux bien le porter, mais je vais pas le porter trop longtemps. Hein. Et ça y est, on est en train de te plaindre. Pas le pigeon. Et comme on dit chez nous, à la pétanque, t'as complètement vrillé. Touché, partie gagnée. Voilà, ouais, y a à mettre leur vélo, là. On est plus assez frais pour gagner la partie, hein. Et moi, je vous le dis, on est riche. Dans le sac, mais pas de pomme. On va traverser quand même doucement. Hein. Ouais, les mecs, regardez ce qu'elles ont nous. Ouais. Oh, c'est pas la BNP de Paribas. On a la technique, on connaît, on sait faire. Allo, pourquoi t'as un deuxième sac? Bah, parce que j'avais gardé un sac dans le sac au cas où. Bah, les mecs, vous avez toujours vos armes ou pas? Ouais, toujours accroché à la chaussette. Toujours accroché à la chaussette. Bon, bah, on s'en occupe, on fait ça vite fait, bien fait, délicatement. Magnifiquement. C'est parti. Sans accro comme la première, les mecs. On connaît notre métier, toute façon. On rentre. On sort efficace. Voilà. Allez. On perd pas de temps. Et Bilal, quand tu cours, tu fermes ta gueule. Ah, je vais t'enculer. Oh,
fait courir. Accélérez, bordel. Waouh, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai jamais été aussi rapide. 35 km/h facile. Regarde le vélo, côté je le double. Parcours. Hop là, on arrive à l'église. Mais il y a des mecs, on va raconter quoi après la vidéo. Toi, t'as rêvé de quoi? Moi, j'ai rêvé de l'Italie, de notre Jaguar, genre sur le port de... qui arrive, sur la croisette, mais italienne. Et puis on sortait comme ça, t'avais des lunettes un peu en mode star, parce qu'on a percé dans notre business de cinéma. T'as pas dormi? Non, j'ai pas dormi. Oh, le peintre! Putain! Oh les gars! J'arrive, je m'habille! Je vais te présenter mes copains. En vrai, tu verras, c'est des gens qui... Ils ont pas l'air du tout. Ils les défendent. Mais c'est bon, ouais. Ça va les gars? Ça va, et toi le peintre? Vous avez pas mis trop de temps à venir? C'est un peu paumé sur la route, mais on l'a fini par trouver. Vous venez manger des ravioles? Ça marche, on a faim. Ça marche. Bon bah. Ça va? Oh là là. Comment ça va? Ça va? Allez. Bon. Parlez-moi un peu quand même. Nickel. Nickel. Ouais. Parfait. Comme sur des roulets. Vous avez pris combien? 700 000 environ. 100 000, ouais. Qui est coupé? Et vous avez blessé personne? Non, ça s'est bien déroulé. On est rentré, on est sorti. Et les tomates? Ça, c'est les tomates. Elles sont très bonnes, bientôt à maturité, tomates vertes. Ouais, c'est un beau jardin. On va les passer. Je sais pas comment on va faire parce que là, on va partir nous aussi bientôt. Pendant un an, donc le beau jardin, courgette, et tu pars où? Courgette, faut faire très attention. On part en Italie. Italie. Comme vous. Facilement où? J'ai entendu ça. Je vous raconterai ça à table, ne vous inquiétez pas. Bon, et vous avez planqué l'oseille où? De quelle oseille tu parles? Vous ne passez pas là, on va le trouver. Il n'y a pas d'oseille? Faites confiance à personne. Hein. L'argent, ça fait jaser les gens. Dans le cas de l'argent, je te prenne. Voilà, là aussi tomates. Encore, on a beaucoup de tomates, on est sûr que ça va marcher. On pense, si ça marche pas cette année, l'année prochaine, planter un bananier. Faire un truc un peu égoïste, tu vois. Parce que surtout, on va revenir d'Italie. Ouais, on va revenir d'Italie, on va se faire chier à vous faire que des tomates. Ouais, voilà. Il est où votre spot? Ok. Très bien. Bon, on passe à table. Ouais. Mais au moins à table, je vous fais à manger, ça va être très bon. C'est hyper femme qui cuisine. Non, c'est moi, j'adore cuisiner, c'est vraiment ma chouffard, cuisinier. Que de casquettes. Un artiste. Et jardinier aussi. Ils sont blancs. T'as mis à chauffer l'eau? Ah oui, putain, j'ai mis à chauffer l'eau. Yes. Les ravioles. Allez. Qui en veut? Qui en mange? Oui.
C'est bon, ça colle pas trop. On parle de mon business. Est-ce que ça fait moi sinon que j'ai un business? C'est moi qui ai les potes. Je vais vous baiser par contre. Hein. Prends un cigare. Ça va être. Tu vas pas. Hein. Et ça se passe bien les affaires pour vous? Ben, ça va, hein. Tranquille. Et t'as parlé du braquage, le pain? Le quoi? D'où tu parles de ça? T'inquiète. Du quoi? Faire confiance à personne. Ouais, faire confiance à personne, regardez ça un peu. Bon, on a parlé l'année dernière. L'année dernière? Ça remonte pas loin. Ah non, c'est vrai que ça a pris du temps pour se faire. On peut faire des choses bien. Faire des choses bien très rapidement. Moi, l'école du PC. L'école du PC, c'est juste parce que sinon, il perd tout parce qu'il est. Du coup, avec l'argent du braquage, vous allez faire quoi? On part dans les Dolomites. Ouais, en Italie. En montagne italienne. Oh, en ouais. Vacances, un peu prolongé. Petite retraite, quoi. De 2 ou 3 ans. Ouais, 2 ou 3 ans. Non, on n'aura pas assez. Bon. Ouais. Mais avec un petit aspect professionnel, peut-être aussi. C'est des sympas. Là, cultiver les vignes, madame. Ouais. Ouais. En concurrence, c'est le vin californien. Une vino oui. Veritas. Un des objectifs majeurs d'ailleurs. Exactement. Et si le projet marche bien, pourquoi pas s'y installer. Ouais, voilà. En fait, le but à long terme, c'est ça. S'installer en Italie. Ouais. Petit domaine, grosse bagnole, tout ça, quoi. Ouais, c'est des vacances. La vie à l'italienne. Ouais, c'est un Ferrari, tout ça. Le pinard et la bonne bouffe. Pourquoi vous quittez la France? Il est prêt. Pourquoi vous quittez la France? Pour changer d'air, tout simplement. Ah, ici, on est des braqueurs. Là-bas, ouais. On le sera pas. Ouais, c'est vrai. Elles sont bonnes, ces petites ravioles. Vous en voulez? Allez. Allez, alors. Délicieuse. C'est avec la vie qu'on fait. Non, mais en vrai. Je peux prendre la cigarette, mais pas de plus fort. Vas-y, il est là. Tu connais Juezig? Ouais, je le connais un peu. Quoi? Ouais, j'ai remarqué que tu connaissais beaucoup de gens. Tu les connais d'où? Quelques connaissances, je fais du poker tous les samedis. Ah, c'est génial. Où est-ce que tu joues? Au Casino Club. C'est un petit peu là-bas, à 10 minutes. Ah, je vois. Mais je vais en limousine. Ok, allez, on y est. Ouais, ta gueule. Alors du coup tu l'as loué, t'as du manger. C'est le porc qui me l'a fait. Ralas. Non mais j'ai un petit vinasse aussi à côté dans les champs de tomates. Il est quoi au milieu des champs de tomates? Est-ce que c'est des champs de tomates? Non. Un petit plan. Des champs de tomates. Ce serait pas des. Ou des champs de tomates. Des champs d'érable. Waouh. Waouh, t'as trouvé ça où? Sur un érable. Mais vous devez emmener les filles. Ouais, on y a pensé. Elles sont jamais parties en vacances encore. En vrai? Elles sont jamais parties en vacances? Oui. On va aller quitter la France. On va aller mettre bien. Tu vas savoir? Ouais. Ouais, ouais, elles sont sympas. Pourquoi ça? La misogynie, hein. Là, je change d'emploi comme ça, ça se voit pas. Il y a plus rien, ok. Il y a plus rien, ouais. Oh, il y a des... Il y a un peu du dolin. C'est bon. Ça marche. Ah, voilà. Ouf. J'ai eu peur. Ouais, un bout de chaussette. Bref, on va aller en Italie. Parce que personne ne nous connaît. Personne ne sait d'où vient le business. J'ai pas de casier là-bas. Ensuite, on va aller choper
les petits réals qui veulent faire des films. Ça pique la gorge. Les petits réals qui veulent faire des films, mais genre des films qui se font pas. Exactement, mais le gars est passionné. Tu vois, le gars, je suis réal, je suis passionné. Je veux faire mon film, ouais. Tout le monde me claque des portes. Ouais. Moi, je fais, viens, 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 viens. Le réal, il vient. Moi, je lui fais, ton film, je le finance à 100%. Il veut faire son film. Je fais tout, je fais les copies du film, on le sort au cinéma, on fait les disques durs en format, je sais pas quoi. En Italie, on peut encore faire ça, ils ont encore 20 ans de retard. Il y a des cabines téléphoniques, il y a des... Bref. Du coup, on peut encore faire ça. On va prendre les petits réals là. Je leur finance tous leurs films. Tu vas me dire, c'est pas rentable. Ce qu'on va faire, le petit réal, on va lui dire, je finance son film. On le sort. Je garde tous les bénéfices du film. Donc, lui, il fait ça par passion. Ouais. Je garde tous les bénéfices du film, je fais mon oseille. En gros, c'est un gros. Lui, il se fait son nom. Parce que du coup, il fait un film qui marche. C'est rentable. Exactement. Parce que le cinéma, c'est de l'art. Peut-être ça marche pas. Je te le dis. On va lui faire son film. Mais on va le prévenir. S'il ne rembourse pas l'entièreté des financements, on le bute. Du coup, bah, il va faire un bon film. C'est extrême, mais ils aiment bien. C'est au moins, ils seront motivés, ils feront des vrais films. C'est une banque en mode génère. Voilà, c'est beau, qu'il y a extrait sur la vie. Je pense qu'il faut mettre des intérêts. Ouais. Au pire, on le bute pas, mais on connaît sa famille. Des petits-enfants auxquels il est attaché. Exactement. C'est le plan. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon plan. Oui, après on reste en Italie parce que c'est joli. Puis vu qu'on sera riche ou en Italie sur la côte vers Gênes. Et après on ira vous voir dans les petites montagnes. Ouais. Ça s'appelle les Dolomites. Donc les Dolomites. Vous allez chez elle? Non. Et donc on va là-bas du coup. C'est juste que il y a des choses à la maison familiale. Non, mais c'est cool en tout cas. Du coup, si vous voulez faire du cinéma, je vous rappellerai. On partira en vacances ensemble, genre l'été prochain. Quand j'aurai. C'est bien gentil. C'est intéressant. Et ça brassera de la thune, tout le business? Bien sûr, après on fait l'oseille. Après on reprend des réals. Bien sûr que je t'ai dit que mes affaires marchaient bien. Tu ne m'écoutes pas, Donio? Ouais, mais tu veux le faire dans l'alcool? Non, tu le fais dans le Genep, l'alcool fort. Ah, mais il y a lui un peu dans ton truc. Il y a lui, il y a lui. Pareil. Il y a un pied à la porte. Il y a plus beaucoup de gaz là. On peut faire une petite sieste là-bas. Vous allez vous casser, on est chez moi. On a fini le gras et on a discuté. Vous partez quand? Demain? Non, là, dans 10 minutes. Non, mais en Italie. Ouais, on a dit qu'on part demain. Vous allez chez les filles. Allez chez les filles. Moi, chez les filles. Allez chez Jus, ouais. Leurs potes hippies là, tous. Rebecca. Vous verrez, ils ont une piscine dans une maison sympa. Et emmenez-les en vacances. Allez-y, genre juste après là. Allez juste après, convoquez. Genre, pas sur tout votre business. Genre juste 2 semaines. Histoire de sympathiser. Ouais. Qu'elles reviennent que j'arrive ici. Le domaine il est pour nous. Hein. Ouais, mais c'est bien. Vous allez louer un peu pour faire de l'argent en mode hôtel. Bah, moi j'ai repéré un petit truc. Pour profiter. Selon notre budget. Bon, en fait, c'est un peu au-dessus de notre budget vu que le braquage a fait. Vous avez passé deux des braquages. Les braquages en fait, complètement réussi. Genre là, vous avez passé. Tu joues sur les mots, le pape. Voilà. C'est mal. Ouais, je suis peintre. C'est comme les couleurs. Ouais, mais ok, Arthur Rambo, qu'est-ce que c'est? Mais ouais, du coup, j'ai repéré un joli petit domaine avec une grande baraque et une petite grange à côté. Et la petite grange, si on se fait un peu plus en Italie, on pourrait l'améliorer sans problème. C'est bien. On pourrait faire une petite salle de ciné pour diffuser des films qui arrivent. Ouais, vous irez voir au cinéma, je vous enverrai les. Ouais. Je vous appellerai. Voilà. Si je vous retrouve.
la bombule ou si vous me retrouvez. Voilà, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, on en est à la mafia, les mecs. Globalement. Regarde, ouais. J'ai versé la bouteille en entier. Rester, quoi, même... Attends, j'ai envie de boire tout d'un coup. Bah, ouais, tu la mer, c'est bon. C'est parce que les films érotiques, c'était bien beau il y a 70 ans, mais maintenant, ça révolte. Ça... On va rien révolutionner, ouais, non, c'est gratuit, c'est sur internet, on va pas faire des bénéfices. Ouais. Ou alors, justement, on relance le business du film érotique. Oui, je l'ai pensé parce que mais ça craint. Bon, ce qu'on voit, c'est de la merde. Exactement, déjà c'est nul à chier. Ou alors, déjà c'est nul à chier et ensuite il faudrait pas faire des films érotiques. Il faudrait pas faire du film de cul. Il faudrait faire du film érotique. Ça baisse pas? Ça baisse presque. Je trouve ça vachement plus. C'est de la baisse intellectuelle. Ouais, exactement. C'est de la branlette intellectuelle. C'est de la baisse pour les. Ça, ça mais oui, tu as. Mais c'est carrément. On va intéresser le père. Ça va intéresser. C'est mille fois plus intéressant. Marilyn Monroe, elle a posé nue. L'image la plus sexualisée d'elle, c'est quand elle a sa robe. Voilà. Faut pas qu'on raccourcisse. Non. L'important, c'est de faire montrer. Tu regardes dans les magazines. Lui, Playboy, etc. Non, mais on voit pas les trucs, on voit les trucs, mais on les voit pas tant. C'est bien. Ce n'est plus la suggération. Mais justement, mais on va leur changer. C'est notre rôle parce que maintenant, de on leur met ça, c'est en première page. Il faut pas présenter le tout directement. Il faut donner envie d'aller plus loin. Il faut pas présenter la chose. Faut frustrer les gens, faut leur laisser s'imaginer en fait. Il manque d'imagination. Maintenant, on leur donne tout sur un plateau. C'est marché, de graine. Pour faire poker. Allez, un truc poker. Non, mais oui, je viens d'y aller. Oui. Ah, oui, c'est vrai qu'on va peut-être y aller. Mais... Tout, mais... Ah, oui, c'est vrai. Je sais pas si Madaron elle nous. Elle nous distresse, hein. Tu crois vraiment ? Bon, bah, on a fini de manger. Ouais. Eh bien. C'était bien bon, merci beaucoup. Chaotique. Il est temps pour nous de nous en aller. Monsieur. Eh ben, les gars, bonnes vacances en. Envoyez-nous les cartes postales, on vous en enverra aussi. Évidemment. D'accord. Profitez de l'Italie et allez voir les filles. Bon, Louis, j'ai parlé à Malo et il m'a expliqué. En gros, ils ont caché l'argent dans l'église, juste sous les yeux du Christ. Ah, c'est génial ça. Moi, j'ai voulu parler à... Arun et à Donio, aucun des deux a voulu me dire. C'est pas con comme cachette quand on y pense, j'y aurais pas pensé. Ouais. Et tu penses que t'auras le temps d'aller le chercher chez... quand ils seront chez les filles? Oui, oui, puis je vais appeler Rebecca quand même pour assurer nos arrières. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, je vais aller faire les affaires pour demain. Et tu pencheras tes gaps pour la bagnole, hein? Ouais, complètement. Je vais me changer, je fais tout ça et... j'ai arrêté de peindre, là. Tu peux arrêter de poser, hein. Bon alors les mecs on se bouge le cul, hein. On reste vite fait, on reste pas très longtemps. Non, c'est moyen de grailler. C'est moyen de grailler les gars. Ouais. Reste avec toi, gratte de la bouffe, gratte de la bouffe. Voilà. Donc on casse pas les couilles et on passe. Vous êtes qui? Toi t'es qui? Moi je suis chez moi. Bah non. Si. T'habites avec Sigouane et Juliette? Ouais. Et elles sont là? Non, elles sont pas là. Menteuse. Si, menteuse. Si. Je vais les appeler? Ok, je les appelle. Juliette, Zig! Salut, ça va? Salut, ça va? Ça va. Ok, pas ça. Ça va bien. Les filles, fallait qu'on vous propose un truc aussi. On a un projet, tous les quatre, qui pourrait être vraiment stylé. Ça peut vous intéresser, je pense. Allô? Allô Rebecca? C'est moi, c'est le peintre. Tu te souviens? Ton ami? Oui, je me rappelle de toi. Super, t'habites toujours avec les filles? Oui. Donc elles ont des invités là, genre. Espèce de gangster avec des chemises. Oui, ils sont là. Ouais, ouais. Faut surtout pas qu'ils sortent de chez toi, alors si jamais ils sortent, tu me préviens vite, Dak. Pourquoi? Dealer, il savait que... Ah, c'est bon.
Voilà. Le problème. Oui. C'est très simple. En gros, on va partir demain en Italie. Dans les Dolomites, les montagnes. Ce serait une bonne idée de vous proposer de venir avec moi. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me tente très bien, mais on n'a pas d'argent. Ça, c'est pas un souci, on a un peu économisé. On a bien bossé ces dernières semaines. Là, bah, c'est gratuit. Ça me tente. Et tout, moi. Ok. Vous avez un problème les deux prochaines semaines. Bah, ça intéresse bien. Je suis d'accord. C'est vraiment l'intrigue. Domaine où il y a un vignoble. Tu comptais réparer ou on pourra boire du vin? Oui, on pourra boire du vin. Écoutez, des vignes et des Vivaldi aussi. C'est vraiment pas mal. Nice. Et ça nous faisait faire des grandes balades dans la montagne. On n'est pas très sportif, mais on va faire en sorte de voir des gens. C'est très bien. S'il y en a. C'est pas mal. T'approches pas. C'est très bien ce qui va se passer si tu viens montrer. Casse-toi. Casse-toi. Vas-y, qu'on se mouille pas en entier, qu'on devait barrer vite. Tu commences à toi à nous mouiller vite. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas le temps, heureusement. Tu vas faire encore. Oh. Regarde, je te défends. Je l'ai vu, c'est lui qui a fait. Il est fou. Assassin. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, j'y suis jamais. On va y aller. Nickel. Tu lui allèves un peu, non? Ça va. Prête pas peur d'aller, elle est super froide. Allez, non, elle est chaude, elle est à elle est chaude, non, il fait... Elle est super froide. Ah, t'es vraiment le bâtard. Bah, venez avec nous, les gars. Wow. Ah, non, ah, non, 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 on peut pas se baigner en entier, faut qu'on se barre après. On va se barrer vite fait, là. Si vous êtes chaud comme ça en Italie, on viendra pas avec vous. Tout de suite, les grands mots. C'est un contexte complètement différent. Ah, mais franchement, c'est agréable. Venez. Venez, venez. Oh, mais. Vous voyez pas complètement. Regardez, les chemins. Il y a beaucoup de choses. Mon vidéo. Ah non mais là c'est compliqué là. Arrêtez, cassez-vous bordel. Je sais que je vous savez. Wow. Cassez-vous putain. Je ne verrai pas complètement. Ah, allez les jeunes, oh, assez jeunes. Regardez. Non,
putain, je suis complètement trempé là, je sais pas comment je vais faire, fais chier. Après tes vêtements, juste faut que tu viennes dans la chambre du coup. Allez, hein. Anna, Bilal, tu viens visiter? Allez, c'est parti, j'arrive. Les escaliers par là? Oui, c'est à gauche. Bon, vous avez pas un t-shirt? Parce que là. Propre, je sais pas, j'ai un t-shirt. Je sais. Merci. Bon, du coup, finalement, on a pas visité la baraque. Ouais, vous avez pas compris. Quoi? On est pas en sortie de la voiture. Je sais pas si vous avez compris, on essaie de faire un peu des avances là, mais. Ah! Donc là, on est là pour tienne. Tout à fait. Là, maintenant, là. Tout de suite, il y aura. On a un peu rien à faire, non? Ah, c'est vrai. Ouais. On peut se discuter. Ça, on peut en parler. Parlons-en. Voilà. Ah, merde, le beau t-shirt que tu viens de me filer. On va pas qu'on ferme la porte, attends. Oh mon dieu! Ah oui? Oui, bien sûr. Vous les avez vu? Oui, pas je les ai vus, ils étaient juste venus me parler de leur problème. Ils étaient juste là-bas, au fonctionnaire avec moi. D'accord, d'accord. Et dites-moi, ils n'avaient pas par exemple un sac avec eux? Ou quelque chose comme ça? Qu'ils auraient déposé? Si, je les ai vus avec un sac, ils se baladaient là devant l'hôtel, mais je sais pas ce que ça pouvait être. C'était pas les cierges les plus éclairés de l'église, hein. Je pense pas qu'ils cachaient grand-chose. Ah, je vois bien qu'ils étaient. On parle bien des mêmes personnes. Donc oui, par ici, là, je crois, sous le... Sous d'accord. Le petit, merci, je vais aller fouiller. Voilà. Je veux quelque chose qui m'appartienne. Merci, Père Jean-Baptiste. Ça, je pars en Italie pendant 2 ans et je pourrais pas vous donner la quête tous les dimanches. Oh, c'est très généreux. Merci beaucoup. Oh. Avec ça, le Seigneur vous enverra au paradis en Ferrari même. Oh. Je vous assure, je vous en conjure. Merci mon père. Merci à vous. Oh, vous êtes un bel homme. Vous aussi, monsieur. Je vous souhaite une bonne route. Au revoir. Au revoir. Voilà une bonne chose de faite. Thank you.
pas là, ça doit bien faire 20 minutes qu'ils sont partis. Ils sont dans la maison, je sais pas ce qu'ils font. Alors que là on a la piscine quand même. C'est bien, bien. C'est pas mal. Pourquoi tu voulais pas partir ce matin? Bah moi je suis un gars d'ici. Bah ouais, mais pas besoin de partir, je suis très bien. Non, franchement, écoute-moi, un petit dépaysement avec tout l'argent des braquages, ça fait quelque chose de pas mal. Très bien paysé ici. Ah, regarde, dans les Dolomites, on aura notre petit vignoble. Tu sais quelles tonalités sont agréables à l'oreille? Lesquelles? Les tonalités de Vivaldi. T'imagines ces après-midi sur une terrasse, à écouter les vignes de l'hiver de Vivaldi, franchement. Ouais, l'hiver c'est la mienne, mais ça me convainc pas. T'as pas du feu, Donio? Toi, t'as pas de l'eau? Oh, Donio! Ha ha ha! Ah! Il revaudra ça, espèce de gangster en carton. Bien 30 minutes maintenant. C'est long. Quelqu'un a du feu? Ouais, j'en ai. Attends, je vais chercher. Vous voulez un goûter, les gars? Pourquoi pas? Ok. Bon, ça suffit, on y va. Ouais. Y'a des prunes si vous voulez. Ok, nickel. Là, c'était bien cool cette petite après-midi. Et du coup, pourquoi vous êtes torse nu là, les deux? On avait un peu chaud là. Ah oui. Oh. Ouais, il fait un peu chaud. La canicule, ouais, tout ouais, ça. C'est chaud, ouais, la canicule. Le réchauffement climatique. Ouais, à peu près. La dépression, bon. Dans 4 ans, on meurt tous. On se retrouve demain. Ok. Allez, let's go! Wouh! Ça a sonné! Oh! Mais hey, non, mec! Qu'est-ce que tu fais là? Ça va, t'attendais? Ouais, je vais chercher la pièce, mec! Mais non! T'as vu ça? Flingue. Bah ouais, nouveau flingue! Oh! Bise. Tu m'avais manqué, toi aussi! Putain, mec, j'arrive chez toi, ça sent. Pardon, bah écoute, cuisine du poulet, des filets de poulet. Parce que tu sais pas quoi, j'étais chez le boucher, je lui demande des cuisses de poulet. Et là il me dit on a plus de cuisses. Et là bam, balle dans la jambe. Et je lui ai dit, c'est qui a plus de cuisses maintenant, enculé? Carrément, je comprends, la cuisine c'est important, mec, hein, t'as bien fait. En parlant de poulet, faut que tu les sèmes, toi. C'est pour ça que je t'ai préparé ce petit bijou. Puis j'ai pas que les poulets à cuire, là, je me suis mis du monde à dos aujourd'hui. je te présente la bête. Ça fait 3 mois que je suis là-dessus. Putain, elle est magnifique. Même bam, si bâche, elle est 500 chevaux sous le capot. 500 chevaux sous le capot. Exactement. Le meilleur de l'anglaise. Paris-Milan, 2h30. Putain, top. Content que ça te plaise. Putain. J'ai hâte d'être dedans. Tiens, monte là-dedans, chef. Ok. Je te passe les clés. Fais voir. Explique-moi le bordel à l'intérieur que tu montres tout ce que t'as changé. Et voilà, je suis très content. Système sonné au Dolby. C'est super. C'est top ça. La radio, elle passe. Super morceau. Ouais. Moi je te raconte même pas l'autre jour, tu vois mon nouveau flingue? Ouais, il est super, regarde le mien. Ah, il est super, il est noir. Tiens. Ah, encore mieux, au moins plus discret dans la nuit. Exactement. Moi, l'autre jour, je vois un mec, le gars il arrive, il me demande mon portefeuille, mon chemin, je sais pas, il dit elle est où la préfecture? Moi je lui fais, ah, je sais pas où aller. Tac, je
je monte mon flingue. Oh, il s'est chié dessus. Bon, allez, je vais récupérer la caisse. Pas de problème, voici les clés. Je vais te casser, je vais te laisser fêter avec tes amis. Hein. Merci, chef. Et bon appétit pour le putain de filet de poulet. Hein. Ah ouais. Ouais, fais attention sur l'accélérateur, il est un peu sensible. Ok, j'écouterai ce que tu me dis. Salut mec, fais bonne route. Tu vas me manquer l'enculé. Putain, allez. Bisous à Delphine. Wouh. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ok, tant mieux. Enfin, je trouve ça pas mal, moi. Scène 30. Extérieur, aérodrome, jour. Bilal, Donio et Malo marchent les uns derrière les autres, le long... Attends, wow, ok, on l'a refait, parce que... Bilal, Donio et Malo marchent les uns derrière les autres, le long d'une route en direction de l'aérodrome de Romans-sur-Isère. Ils ont avec eux le sac du braquage, quelques affaires, une valise, un appareil photo et de nouveaux lots. Malo, inquiet. C'est la première fois que je prends l'avion, les gars. D'ailleurs, si quand on arrive, les filles sont toujours pas là, on les attend ou on part sans elles. Donio. On leur donne une chance de passer des vacances cool. Si elles sont pas là, on part sans elles. On ne privera pas une seconde de notre aventure au pays de la Focaccia et du crime organisé. Bilal. Oui, mais non, moi aussi, je suis pressée, mais on pourrait les attendre quand même. Enfin, moi, je trouve qu'elles ont été gentilles avec nous hier. Elles nous ont même offert le goûter, tout ça, tout ça. Malo. Bon, on verra bien, les gars. Elles seront peut-être là, quand même. C'est nous qui avons une heure et demie de retard. Donio. Oui, bah, fallait bien qu'on se fasse beau gosse. Et fallait qu'on amène Aaron à la gare, quand même. Bilal. 10 ans qu'on passe inaperçu. Regarde le mojo, maintenant. Là, je trouve que... C'est peut-être un peu trop précis, mais il y a la vibe. Before it was in the breeze, Dad smoked and tinkled the keys and dashed to Florida Keys to ski, do snow as he pleased. Me and my two sisters made 3 NYC with the suffocating of dreams. Look behind the steel beams on the Bowery fees cowering. Tourists love not to see. On the train we felt free, snake below controlled streets. By the time I hit the leak, been out my teens for like a week. By the time I hit a lick, it couldn't change me in the least. See, I could only see the cash flow as the briefest of reprieves. So my heart is not for sale, the Fetty vanished. C'est la vie. Gun said he hang with dealers, but he fucked with that RT. Yeah, I told him I did drugs and bump Griselda with my fleet. Spray these crumbs with dirty pen work, put the snub to every beat. Every clause is not competed, it's the law you eat my... Et sinon, elles sont passées où, vos valises, en fait? Nos valises, elles sont bien dans l'avion, là. On les a mis tout à l'heure. Ah, ok. Ok. Et du coup, il est où, Aaron? Voilà, il vient en train parce qu'il a un peu peur de l'avion, du coup, bon, voilà. Et du coup, c'est qui? En fait, c'est ma pote, elle avait trop envie de venir en Italie avec elle nous. Elle est du super coup, sympa. Tu viens avec nous. Son prénom? Bah, elle, c'est Zig, en fait. Ouais, tu verras... Je suis un ange. Putain, mais c'est... Si on est trop plus en vrai, je trouve ça. Trop tenté. Vous êtes très belle. Merci. Yo, switches on 18. I don't need a house, so let's switch on 18. Yo, switches on 18. I don't need a house, so let's switch on 18.
allow me to make a confession. I have not learned all my lessons. I'm still rolling and blowing and smoking on dope while I'm gripping my weapon. I used to hide dope in the ceiling. Sometimes I be missing the feeling of go back and forth between books and the crooks. Ooh, I felt like a chameleon. I'm a typical mythical. I perform miracles whimsical. And I get paid for grace in the stage. Shit talking, grabbing my genitals. I keep it pimping on principle. My ego stay on invincible. If your bitch a bitch and treat you like a bitch, both of y'all bitches identical. Piccolo. Look at this nigga, rich nigga roll. Both of my charm, a key or mo. The next one, it gotta be bigger though. I was so slick with the give and go. I never got caught with the pitch of snow. I like to thank Elohim for letting my revenue stream. C'est quand même plus sympa le train, comme ça je peux admirer le beau paysage des Dolomites. Plus que 8 heures de train. Tu sais, notre vie en Italie, ça me plaît bien. Mais je vais leur rendre l'argent aux gars, parce qu'ils l'ont mérité. C'est grâce à eux qu'on est là. Tu penses pas? Cette vue. Ciao Malo, c'est le peintre. Il pittore. Hey, on m'a dit que vous étiez à sec. Dis-moi pas que c'est pas vrai quand même. Ouais, un truc trop bizarre. Dès que on est arrivé en Italie, l'argent des braquages s'est volatilisé. Vous avez dit de faire confiance à personne, hein. On a forcément un d'entre vous qui a vendu la mèche, hein. Ouais, je sais, on a eu le temps d'y réfléchir. Et dis-moi, je voulais savoir. T'es allé au cinéma un peu récemment ou pas le temps quoi? Ouais, je suis allé vite fait pour voir ce qui sortait. Non, parce que je pensais à toi, parce que j'ai remarqué un truc marrant. Dis-moi quoi, le peintre? Est-ce que t'as remarqué que les producteurs des films de l'érable, c'était toujours Malo, Bilal, Haroun et Donio? Vas-y, dis-moi où tu veux en venir, là. C'est moi qui vous ai tout pris, les gars. En plus, vous avez fait un casse de 3 millions, pas du tout de 700 000. Quoi?
3 millions ! Bah ouais, hein, c'est pas mal pour commencer une carrière de producteur, hein. J'ai produit tous mes films avec. Quoi ? Pourquoi tu me dis ça maintenant ? T'as pas honte ? On a failli s'entretuer. On a gâché 6 mois de notre vie à faire ce putain de truc. Tu te rends compte ou pas ? On a passé notre vie en Italie et on a failli s'entretuer juste à cause de tes conneries. Malo, je veux pas mourir si vite. Si je t'appelle, c'est parce que je vais en ami. Comment ça, tu viens en ami ? Tu viens de nous niquer. Encore une fois, je te le répète, moi je reviens en France juste pour ça, à cause de toi, à cause du fait que tu nous voles notre thune. T'as pas honte ? Bon, je vous invite tous les quatre chez moi. Même les filles, elles sont parties. Elles nous ont pris pour les trous du cul. Et toi, tu nous invites comme ça, comme si on était amis. Tu viens, tu nous nargues. C'est la honte. C'est la honte, le peintre. Tu nous humilies. Les gars, je vous invite tous les quatre chez moi, en Italie. Vous avez 5 millions chacun qui vous attendent sous le matelas de votre chambre d'amis. Qu'est-ce que tu racontes encore ? Tu vas encore nous niquer, je le sens bien. Non, Malo, c'est votre oseille, je vous le rends. J'ai beaucoup de mal à te croire, le peintre. Bah, j'ai multiplié votre casque, c'est tout, vous avez plus d'oseille. Vous avez pas craché dessus. Tu m'as pris pour un galeriste ? Venez vite, venez armé, si vous me faites pas confiance, vous me descendrez. Bon, 5 millions, c'est énorme. Donc si c'est vrai, c'est super. Si c'est faux, avec mes copains, on va te niquer ta race. Parfait, venez vite alors, hein. On est devant chez toi d'ici 2 jours, t'as intérêt à nous offrir la limonade. Je vais pas me faire prier pour un crochet. Bisous. Allô Vidal, allô Haroun, allô Lisa, allô Dig, allô Juliette, allô Donio. Oui, c'est vrai. De 0 à 100, de seconde 3. Grâce au peintre, on s'est régalé. Là, on vit la vie d'artiste. On vit la vie d'artiste, on a des lunettes, on a des claquettes, on a des chemises. Voilà, c'est la belle vie. C'est la belle vie, c'est du beau travail. Si il y a 11 ans, on m'avait dit que j'aurais des gamos comme ça, j'irais pas le coup. Je dois foutre les. Parce que ça, je peux te garantir que c'est pas des carrières. Ma gueule, tu fais vraiment touriste avec une caméra dans la main, l'autre comme ça. Et après, ça vient me dire que c'est vraiment touriste. Va te faire foutre. Ah, je suis beau là, non, je dois être classe. J'ai les gestes, j'ai le soleil. Après, bon, ça, tu vois, c'est. Ça représente un centime de ce qu'on t'y fait. J'aime pas, c'est bon riche. La Lamborghini a pris quelques dollars. Bronzé à 200 dans un verre en plastique pour garder en tête la réalité des choses. Les Lambo et tout, les Bugatti, c'est dans un garage, tu vois, mais on peut pas te montrer, tu vois, c'est un peu trop. Voilà. Tout un peu sur le vélo et tu vois. Cheval, cavalier, il y a le Porsche. Voilà, donc là tu vois la piscine, hein, avec un grand jardin, tout ce qu'il faut, de la musique, de la bonne musique. Alors ce terrain de pétanque, il faut savoir qu'il a été fait en gravier venu d'Italie. Voilà, donc c'est du marbre blanc concassé en fait. C'est dingue ça. Ça c'est de l'arbre, tu vois, ça c'est de l'arbre de riche. On se fait faire le luxe de devenir les enculés. Ça, c'est... Ça c'est du portail. Tu sors ? Encore une fois, je le répète. Hein. Tu veux où on est ? Bon. C'est pas le même standing. Non. C'est pas trop bien. Beaucoup trop. Ça va, Jean-Baptiste ? Ouais, les gars. Bien ? C'est bien, Jean-Baptiste. C'est les vacances. C'est le baptisme. J'ai investi dans un quad.
directement chez le chimiste à Paris. On jet, on jet. Parce que, encore une fois, on n'oublie pas de mourir. Vous rentrez au café éclatant, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Mais c'est étonnant quand on sait la carrière qu'on y connaît. Il a quand même beaucoup investi dans le cinéma et c'est là où j'allais y venir. J'allais y venir, Malo m'appelle et me dit que Pittore s'est cassé, oui. Que j'apprends en même temps, c'est qu'une part, une grosse part de ses bénéfices me revient donc de droit, car Eddie Pintro repentit finalement. Peut-être s'est-il retrouvé une conscience, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa tête, mais nous a recontacté et je me suis empressé d'aller en Italie pour récupérer cette part justement de 5 millions. C'est énorme. Et vous avez raison de le dire, c'est énorme. Mais je reste un homme modeste. Et j'ai décidé de revenir un peu à mes racines, mes origines. Roman sur l'Isère, ville de mon enfance. Le crime. De tous les vices. De ses souvenirs, oui, nostalgiques, de ses petits braquages, la pogne, la nougat-pogne. Vous avez déjà goûté de la nougat-pogne?
the Spanish caravan. Yes, I know you can. Les gangsters.